La politique en France, à présent, nouvelle rencontre entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. La Première ministre reçoit aujourd'hui 5 syndicats, 3 organisations patronales à Matignon. Nous sommes un peu plus d'un mois après la dernière manifestation contre la réforme des retraites. Tous ensemble doivent tenter de s'accorder sur un calendrier, alors qu'Emmanuel Macron veut un nouveau pacte de la vie au travail. Ce n'est pas le seul sujet qu'on va aborder avec notre invité ce matin, le politologue Bruno Cotresse. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, un mot sur cette réunion entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. Quels vont être les sujets au cœur des échanges aujourd'hui? Il s'agit de renouer le dialogue social. En fait, vous savez, c'était le premier objectif qu'Emmanuel Macron avait demandé à Elisabeth Borne d'obtenir pendant ces fameux 100 jours qui étaient au lendemain d'une réforme des retraites et d'une première réunion à la suite de la réforme qui avait été pleine d'amertume, au fond, avec les différents partenaires sociaux, les syndicats en particulier. C'est l'objectif essentiel aujourd'hui, essayer de voir si on peut renouer ce fameux dialogue social autour de plusieurs thématiques. On ne parle plus du tout de la réforme des retraites, ça c'est certain, mais on va parler des autres sujets. Dans les autres sujets, il y a des sujets un peu consensuels, mais il y en a d'autres qui vont sans doute faire grincer les dents encore. Lesquels, par exemple ? C'est clair, il y a évidemment la question de l'assurance chômage. Le patronat se dit prêt à discuter de la question de l'assurance chômage, mais sur la base des réformes qui ont été faites récemment, c'est-à-dire au fond en maintenant le principe que les allocations chômage sont modulées en fonction de la durée des indemnités et puis de la conjoncture économique. Les syndicats, ils ne veulent pas du tout en entendre parler, ils rejettent complètement cette idée et ils veulent qu'on fasse page blanche de cette question. Puis il y a surtout la grande question, la question des salaires. Elisabeth Borne avait souhaité, Emmanuel Macron aussi, que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise participent à l'effort sur l'augmentation des salaires. Pour le moment, on est au point mort. Les syndicats veulent des négociations interprofessionnelles. Le patronat ne veut pas en entendre parler. Il veut des négociations au niveau des entreprises, peut-être au niveau des branches. Donc c'est un sujet qui risque à nouveau de faire apparaître quand même des dissensions extrêmement fortes. Pour Elisabeth Borne, ça permet d'ouvrir déjà de nouvelles pages de l'agenda, de regarder vers l'avenir, alors que ça correspond à un moment où la perspective d'un remaniement occupe tous les esprits. Que sait-on pour l'instant ? Pour le moment, c'est quand même le grand flou, c'est le grand mystère qui est entretenu autour de cette question. On n'a pas vraiment de signe qu'on pourrait interpréter comme un signe qu'Emmanuel Macron a décidé, au fond, de tourner la page Elisabeth Borne et de nommer un nouveau Premier ministre. Mais il y a encore un peu une zone d'incertitude là-dessus. Par contre, c'est sûr qu'il y aura au minimum un remaniement pour, au fond, que certains ministres quittent le gouvernement. Il y a un certain nombre de noms qui sont beaucoup plus cités que d'autres. On a beaucoup évoqué, il y a encore quelques jours, Marlène Schiappa, le ministre de l'Éducation nationale aussi, qui semble pas mal sur la sellette. Donc il y aura un remaniement, ça c'est certain. Le changement de Premier ministre, c'est une autre histoire, parce que vous savez, quand il y a un quinquennat avec 5 ans, le président ne peut pas changer deux fois de Premier ministre. Il a droit à un changement sur 5 ans. Et donc, il faut bien réfléchir avant de faire ce changement au timing et au contexte dans lequel on fait ce changement. Puis surtout, est-ce que ça correspond à un projet politique de changer le Premier ministre ? Il y a peut-être un indice que ce ne sera pas tout de suite. On ne sait pas s'il y aura véritablement une prise de parole du chef de l'État pour le 14 juillet, par exemple. Oui, pour le moment, le chef de l'État n'a pas donné d'indication. Il y a une prise de parole classique, habituelle. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Le chef de l'État dit toujours un certain nombre de choses. Et c'est vrai que s'il y a un remaniement avant le 14 juillet, ça devrait normalement favoriser la prise de parole du chef de l'État. Il se servirait de son, au fond, de son interview du 14 juillet pour donner du sens à ce remaniement. Par contre, s'il n'y en a pas de remaniement, on voit que ça sera un exercice plus compliqué parce qu'il sera sans doute à ce moment-là bombardé de questions sur cette question du remaniement. Et puis il y a d'autres questions en suspens, notamment la gestion de la crise des émeutes qu'a subi la France ces dernières semaines. Qui sort renforcé ou affaibli politiquement de cette séquence ? Au vu des enquêtes d'opinion dont nous disposons, l'exécutif globalement sort affaibli, en donnant le sentiment à une très grande majorité de n'avoir pas su anticiper. Ce n'est pas tant d'avoir mal géré, peut-être il y a mal géré, mais il y a surtout mal anticipé. Tout le monde se pose la question, comment nous en sommes arrivés là ? Que se passe-t-il dans le,
dans le pays qui explique tant de crises les unes après les autres, qui donne le sentiment qu'à peine on a fini une crise, quelques mois après on s'engage dans une nouvelle crise. Donc l'exécutif sort affaibli et pour le moment le Rassemblement national sort plutôt renforcé. Merci beaucoup Bruno Cotrès pour cette analyse ce matin. Sur